Ah, summertime is here. It's time to relax. Eh bien, salut à tous, c'est Superbug88, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arsenal. Et Arsenal, il y a eu la mise à jour Summer 3. Incroyable! Beaucoup de nouveautés dans cette mise à jour. J'espère que vous êtes chaud, 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 chaud. Et là, on commence direct avec la nouvelle map. Donc là, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, je vais commencer avec la nouvelle map. Et ensuite, on va regarder le patch note. Voilà. On va regarder le patch note après, qui est sur le Discord. Mais voilà, pour l'instant, regardez cette nouvelle map. Elle est super stylée. Moi, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle map. Donc, on avait vu ça sur le Discord. Et c'est bon. Elle y est dans les serveurs normaux. Donc, on va aller voir tout de suite. Voilà. Bon, moi j'ai déjà joué dessus, elle est intéressante, elle est intéressante. Attendez, je baisse le son. Ok, il m'a tué. Bon là après c'est Rally Gun Royale, donc là ça va être moins passionnant. Mais j'ai fait dans une game normale, elle est assez intéressante. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir sur cette map qui est costale. J'aime beaucoup, hein. Cette map elle est énorme, elle est bien. Elle est vraiment bien, il y a de la hauteur, il y a... Il y a beaucoup de passages. Par contre, ils sont où les gars là? D'accord, je les ai pas du tout vus. Voilà, donc vous voyez, ils ont modifié beaucoup de bruits d'armes. Ils ont modifié beaucoup de maps aussi, des fois. Genre, ils ont ajouté des petits trous dans les murs, des petits passages. Genre j'ai vu un truc, j'ai tiré dessus, c'était une tête. Allez, merde. Je suis con moi. Allez. Allez, let's go. Ouais, donc ils ont modifié beaucoup de bruit, d'armes. Et c'est, ça rend la chose plus réaliste. Le design aussi, ils en ont changé. Ils ont ajouté plein de skins, plein de choses qu'on attendait. Et je suis content, parce que là je viens d'en faire. Et regardez juste en haut, on voit dans quel serveur on est. Serveur Virginia, donc on est aux States, voilà c'est marqué à côté. United States. Et puis voilà, donc ça c'est cool. Ça veut dire que ouais, là je suis dans un bon serveur, non pas trop, parce que... moi les bons serveurs c'est plutôt... nous la France c'est plutôt Allemagne, Pologne. Non pas trop Pologne. Non, c'est plutôt Allemagne et Angleterre. Je sais pas s'il y a des serveurs espagnols. En Espagne, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, allez, on se retrouve tout de suite dans le patch note. A tout de suite. Et boum! Alors, donc, il y a 9 nouvelles armes. Et donc, voici le shooting range, donc le stand de tir. Donc, voilà, donc le stand de tir qui est... pas vraiment, enfin qui est pas si mal en vrai. Voilà, donc voilà, donc là pour prendre une arme il suffit d'aller sur le mur, contre le mur, et voilà, et ensuite là on a les informations concernant l'arme donc on sélectionne. Voilà, donc voilà, donc on a tout ça, hein, on a vraiment toutes les armes d'Arsenal. Donc c'est au centre de tir aussi que vous pouvez aller à l'extérieur aussi. Donc là ici. Voilà. Tirer hein, à l'extérieur. Et c'est aussi là que je vais vous montrer les nouvelles armes. Donc il y a le double LSR. Donc on va aller chercher. C'est sûrement là-dedans. Voilà, le dual. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc il y a les voilà, donc voilà, je montre, tac. Voilà, donc c'est
J'ai eu 73 dans la tête. Est-ce qu'il y a du dommage Falloff? Oui, il y a du dommage Falloff. Ça diminue. 50. Si je le mets encore plus loin. 50. Ouais, au minimum c'est 50. Et le plus proche c'est 75. Ok. Et dans le corps, on est sur du 59. Ok. 49. Ok, ça diminue selon la distance. Ok. Ok, d'accord. Ouais, donc une bonne arme encore. Ouais, en deux tirs, le mec il est mort. Voilà. Par contre, plus loin, à partir de là, je crois que c'est 3. 3 tirs. Ah non, 2 tirs, mais là c'est 3 tirs. Là-bas. Ah non, 2 tirs quand même. D'accord. Donc en 2 tirs, toutes les distances. Voilà. C'est, ouais, c'est une assez... ouais, ce sont de bonnes armes encore. C'est bien. C'est très bien. Donc ensuite... On a le corps de tosseur. Ah oui, le corps de tosseur. Alors, c'est l'arme la plus pétée, je crois. C'est une guitare, en fait. Voilà. Voilà. Donc, alors vous allez avoir. Hein. Alors en fait, c'est du damage. Donc en fait, le stand de tir, en fait, ça fonctionne pas. Pour l'instant avec les explosifs. Voilà, donc c'est un explosif, il faut savoir. Donc ça fait, sur moi, ça fait du 86. Et ça bump. Regardez comment ça bump. Voilà. Donc c'est assez pété. C'est une sorte de projectile, voilà. Qui a pas de munitions. Voilà. Et ensuite vous avez le clic droit. Donc ça va vous faire un dash vers l'avant. Vous pouvez tout le temps faire le dash en fait. Mais par contre, vous voyez votre HP, ça vous met des dégâts quoi. Donc voilà. Donc après, je sais pas si pendant la trajectoire ça fait, du dégât. À tester. C'est à, ouais, à voir. Voilà. Mais c'est quand même pété quand même. Hein. Ensuite, il y a le trash can. Trash can, c'est une poubelle. Voilà, c'est une poubelle. Voilà. Ça fait 120. D'accord, ça one shot. What? D'accord, bah c'est le projectile un des... bah, le plus pété en fait. Hein. Voilà. Par rapport au cadeau, par rapport à la boule de neige, par rapport au ballon, d'eau, ça va en fait. Hein. C'est pété. Ok, bah ça one shot. Ok, bah super. Arme suivante. Bah c'est le lanceur de cône. Cone Launcher. Donc le Cone Launcher. L'ensemble de cône de glace quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Oui voilà. Ok. Donc 50. Ok. Oh, y a... oh. Plus c'est loin, plus ça fait des dégâts. Oh ouais, d'accord, c'est abusé. Ah, parce que là ça fait que 50 là. Proche. D'accord. Ah oui, et après il y a un clic droit. Ça envoie les 8 d'un coup? Ah ouais. D'accord. D'accord, il y a genre on peut spammer quoi. Comme ça. D'accord. On va retester. D'accord. Alors est-ce qu'on peut se bump? Non. Par contre ça fait un truc bizarre. Oh oui, on peut se bump. On peut se bump. On peut se bump. Mais ça marche une fois sur deux, j'ai l'impression. Ça marche une fois sur deux, what the fuck. Peut-être là. Ouais, si on tire en dessous de nous, ça fonctionne pas, mais si on saute... C'est bizarre comment ça... Comment ça réagit. On peut se bump de temps en temps, mais pas vraiment. C'est bizarre. Ouais, il faut lever tout de suite, je crois. Ouais. Il y a un truc à faire comme ça. Attends. J'essaie de tester. Hein. J'essaie de comprendre. Ou soit c'est...
What the fuck? C'est bizarre, hein, comment ça... Ça fonctionne. Ah, ça te fait... ça te fait avancer, j'ai l'impression. Ah, c'est étrange. D'accord. Ok, bon bah voilà. Bon, le prochain c'est MG36. Alors la MG36, ok, bah c'était la rafale là qu'on avait vue dans les dernières vidéos. Ok. Voilà. Ok, ça fait du 50. Plus c'est loin, plus ça fait moins de dégâts. Logique. Donc en rafale ça fait voilà. En gros c'est pour arroser quoi. Cette arme là c'est vraiment pour arroser de ouf. Voilà. Et dans la tête j'ai pas vu ce que ça fait dans la tête. Ok. Ok. Ouais, c'est assez raisonnable. C'est assez raisonnable. Y a pas de clic droit. Ok, bon bah voilà. C'est vraiment fait pour arroser quoi. C'est vraiment fait pour arroser en fait ce truc. Ok. Ensuite on a la Scar L. Donc la Scar L, bah c'est vous savez très bien ce que c'est. C'est la Scar H, mais sans le scope. Donc si je prends la Scar H, c'est ça la Scar H en fait, ceux qui ne savent pas. C'est une Scar avec des lunettes, tout simplement. Et la Scar L, bah c'est la Scar sans scope. Voilà, donc on va voir si ça fait plus de dégâts ou pas entre la H et la L. Donc dans le corps, on est à 36. Ok. Après ça diminue, ok. À la tête, 111. Ok, c'est one shot. Ok, donc 36 dans le corps. Et j'arrive à... Ok, ça fait exactement le même dégât. Ah, par contre, dans la tête, ça fait pas la même chose. Bizarrement. Par contre, on peut pas viser, y a pas de clic droit, y a pas de... D'accord, bon bah voilà. Bizarre, d'accord. Bon bah c'est étrange un peu. Ok, sinon j'aime bien. Parce que c'est un autre bruit, c'est... Voilà. D'accord, bon bah voilà. Donc ensuite, le M249, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le Discord. Voilà. Et c'est là aussi où on avait vu le 02 là, ici. Voilà. Donc, ça fait du 53 dans le corps, ok, environ. Et dans la tête, ça fait du 164, ok. Ok. Par contre, la portée, elle est pas folle. Vaut mieux l'autre. Vaut mieux l'autre, la MG36. Vaut mieux. C'est pas foufou en vrai. La portée. Ouais, je préfère l'autre. Voilà. Donc, et ensuite, la G21. Boum. Donc, G21. Elle y était au jeu, dans le jeu, je crois, à un moment donné, mais ils l'ont retiré, je crois. Voilà, donc G21. Ok, donc ça fait du 65 dans le corps. Ok. 82. Ok. Bon, ok. D'accord. Par contre, tu peux pas spammer comme les autres. Tiens, pourtant, je spam, hein, écoutez. Hein. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a quand même un gros délai comme des fois. Et ensuite le modèle 635. Voilà, donc c'est une automatique assez classique. Hein. Voilà.
d'inspection, de l'arme, voilà. Donc, 35, 34, ok, 77. Ok, donc là on est dans les 44. Ok. Bon après ça envoie, hein. C'est... regardez les balles qui... ça descend. Hein. Ça descend vite. Ça descend vite quand même. Ça descend vite. Ok. Eh bien, voilà, hein, je pense qu'on a tout fait. Je pense qu'on a tout montré pour les armes. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il y a 5 skins alternatifs. Donc il y a le Brick Battle musclé. Il y a le Bûcheronné, donc c'est le bûcheron, je pense, en mode été. Le Punk Rioter en été, le Ranger Desperado en été et Ranger Us en été, je pense. Voilà. Ensuite, la nouvelle carte, donc Ville Côtière, ouais, donc c'est Costal, comme on avait vu. Et après, il y a des nouvelles melee, donc il y a le gros Sipi, d'accord, et Pop Delinquent. Bon, bah voilà. Voilà, donc en nouvelle melee, il y a le gros Sipi. Et le Pop Delinquent. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo unboxing. Voilà, de tout ça, je la tournerai après cette vidéo. Donc ensuite, il y a de nouveaux émoticônes. Donc il y a Hot Dog, donc c'est les danses. Donc il y a Hot Dog, guitare, basse, tambour, crème glacée. Voilà, donc là on pourra faire ça. On pourra manger Hot Dog, on pourra jouer de la guitare, on pourra jouer de la basse. On pourra jouer de la batterie, donc du tambour, ouais, drums c'est plutôt batterie, c'est pas tambour, et on pourra manger de la crème glacée, ok. Et après, nouveau insolite, soleil instable, V1, soleil instable, V2, canard, enchantement, trèfle pétillant rouge, trèfle pétillant vert. Ah oui, ok, c'est les unjuals, ok. Et après, nouveaux effets d'élimination, ok, donc c'est quand tu cules quelqu'un, ça fait un effet. Donc, il y a fleur d'été, support de plateforme, d'accord, cône, triangle, bouquet de feu d'artifice, ok, donc feu d'artifice, quoi, en gros, missile pingouin, what the fuck, backflip, ok, pouf, bucket, ok, donc c'est un saut, quoi, et son KO, d'accord, donc je crois que c'est un KO. Et ensuite, tu as les mises à jour du mode de jeu. Ah là là, bah, des modes de jeu. Donc, bataille de briques. Ok. Ouais, d'accord. Donc, c'est un mode fun qui est disponible que maintenant sur les serveurs VIP. Donc, les joueurs bougent 40% plus vite. Les joueurs infligent 50% de dégâts supplémentaires. Les joueurs ont un contrôle aérien incomplet. Les joueurs ont plus de hauteur de saut de crampon. Ok, bon, ça, c'est... on s'en fiche un peu. Combat à l'épée. Ok, donc c'est du knife fight, en fait, dans les serveurs VIP. Donc les joueurs bougent 40% plus vite. Les joueurs ont un contrôle aérien complet, d'accord. Les joueurs ont plus de hauteur de saut de crampon. D'accord. Je crois que ça veut dire, ouais, un double saut, en fait. Je crois que tu as deux... Je pense que tu vas à deux blocs de plus de hauteur, je crois. Rééquilibrage de l'épée. Ah! Ok, alors 52 dégâts, 5 portées, 0,8 de 50 de cadence de tir, ok, cœur noir, etc, etc. Oui, donc ça c'est les épées différentes, bon je vais pas lire, faites pause si vous voulez tout lire, voilà. Mais on s'en fiche un peu. Donc là, Concussion Mania, nouvelle version bêta disponible pour les tests. Ok, d'accord, ouais, donc il y a une autre version de Concussion Mania, ok, on testera ça après. J'ouvrirai un serveur. Nouvelle version, ok. Donc les joueurs ont une réserve infinie de munitions, ok. Carte spécifique au mode de jeu, test Greybox. D'accord, donc il y a une carte spécifique pour ce mode-là. Les joueurs obtiennent un point pour avoir tué un autre joueur avec le fusil. Ok. Les joueurs obtiennent 3 points pour avoir tué l'environnement.
What? Pour avoir tué l'environnement? Le recul des joueurs augmente plus leur santé est faible. Ah d'accord, plus... Ok, si tu recules... Et ben en fait, ta santé en fait devient plus faible. Ok. C'est la traduction qui est un peu merdique. Les joueurs peuvent prendre le contrôle du recul causé par l'ennemi. Ok. Le fusil à... Ah ouais, donc le Concussion Mania inflige 5 dégâts personnels. Ah. Ah, ça change là. Avant c'était un seul dégât, maintenant c'est 5 dégâts. Le fusil à commotion, donc le Concussion Mania, en fait 25 aux autres joueurs. Ah, donc c'est moins pété. C'est moins fort, ça sera plus long. Donc dans le Concussion Mania 2, voilà. Donc celui qui est dans les serveurs normaux, eh ben ils sont... ça change rien quoi, les dégâts ça change rien. Enfin, tout ce que j'ai dit là, c'est pas au Concussion Mania des serveurs publics. Champ de tir, bêta VIP, ok. Ajouté au mode de jeu VIP, ok. La carte n'est pas définie, ok. Oui, donc le champ de tir, donc le stand de tir, on peut pas y aller avec les serveurs normaux. Il va falloir acheter un serveur privé, un serveur VIP. Voilà, c'est ça. La carte n'est pas définitive, ok. Les armes à dégâts de projectiles éclaboussures ne fonctionnent pas encore, ok. Plus de fonctionnalités à venir plus tard, d'accord. Ensuite, on a Counter Blocks, d'accord. Ajout d'AK-47, M249, FAMAS, MAC-10, ok. Donc tout ça, ça a été ajouté dans la série d'armes, dans les armes donc on peut tomber. Ensuite, pistolet. Donc là, c'est les modes en direct. Pistolet. Le score est maintenant fixé à 16. Ok. Le couteau d'or supprimé. Ça, c'est bien. Randomizer en direct. Ajout de l'option reroll. Voilà. Donc, il y a le fait d'appuyer sur E et tu peux changer d'arme. Ok. Et ensuite, alpha compétitif en direct. Nouveau test alpha comp 1v1. Donc, c'est le système d'Elo qui est en place pour les joueurs à essayer. Voilà. Donc, je vous montrerai ça après. Ensuite, optimisation et changement. Et fonctionnalités. Donc là, je vous l'avais dit, hein, le patch il est énorme, hein, il fait tout ça le patch. Hein. Donc, bon, on arrive à la fin là. Nouveau menu de paramètres. Ouais, donc il y a des nouveaux paramètres. Il y a le vote kick qui a été mis en place. Nouveau panneau de créateur de contenu, appuyez sur P. Ok. Optimisation du moteur. D'accord. La majorité des modèles de bras, view model, refait et mis à jour. Ok. Ok, donc la majorité, hein, c'est pas tout. Hein. Divers nouveaux sons d'armes à feu. Ouais, donc il y a des nouveaux sons sur les armes. Diverses rénovations d'armes. Voilà, donc il y a plein d'armes qui ont été refaites, comme le Bar, le Deagle, le Colibri, le M9, le M1911, le Weebly, le G17, renommé en G19X, d'accord. G18, suppression des viseurs en fer. Sur le modèle Scar H, d'accord. Modification des statistiques d'armes. Ok, donc ça, c'est les équilibrages. Donc, munitions. Donc, en munitions, le bison est passé de 64 munitions. Ok, donc 64 chargeurs à 128 chargeurs. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc, ce qui fait qu'on a 64 x 128. Voilà, donc, voilà, vous voyez le délire. Prisme. Donc, il y en a plus, quoi. Voilà. Dans 128, tu peux tirer 128 fois 64 balles. Voilà. Donc le prisme. Donc ok, donc tu au lieu de tirer 24 balles 56 fois, tu vas tirer 16 balles 80 fois. Ok. EMB 249, donc 150. Ok, donc tu tires c'est un nerf ou un up? C'est un up et un nerf. C'est... Ouais, c'est... Je dirais plutôt que c'est un nerf, en fait. C'est pas... Ouais. C'est bizarre à expliquer, là. Ouais, tu peux tirer 100 balles, deux fois. Ok, non, c'est un up. C'est un up. C'est quand même un petit peu plus. C'est 50 plus, en fait. Des deux. Donc, Falcor. Donc, bah là, c'est un... Nerf. C'est un gros nerf en vrai. C'est pas ouf.
Scar H, c'est un nerf aussi. C'est un nerf. M16 A2, c'est un up. C'est un up, voilà, ok. Donc, propagation, d'accord, c'est quoi ça? 40, 12. C'est une portée, ça. Vitesse de rechargement, attends. M19, spread. Ça veut dire quoi, spread? Verbe. Open out. Diffuser. C'est sûrement ça, ouais. Vitesse de rechargement. Ok, ça a un nerf. Primace tire deux coups d'un coup. D'accord. Cadence de tir de Falcor. Ah, ok. Par contre, Falcor, ok. La cadence de tir, elle est plus élevée. Par contre, il y a moins de munitions. Voilà. Ok. Bon bah voilà. Bon bah, on est parti pour Arsenal. C'est parti, go. J'espère qu'on va tomber sur les nouvelles armes. Donc déjà, vous avez vu, les bras des skins, ils sont faits. Voilà. Donc moi, j'ai le skin Vice, que j'aime bien. Voilà. Alors vous voyez, là, à droite, là, vous avez un petit espace qui permet de vous montrer quelles armes vous allez tomber à la... Enfin... Ça va être quoi? Ça va vous montrer quelles armes vous allez avoir après, en fait. Qu'est-ce qui va arriver après comme arme dans votre main? Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, vous avez vu, hein, les bruitages, ça a beaucoup changé. Là, celui-là, là. Voilà, tu vois, ça a beaucoup changé, celui-là. Donc, c'est pas que la... C'est pas que ça comme arme. Il y en a vraiment d'autres. Là, ça, c'est le Deagle, maintenant, ça. Il est vraiment plus stylé, le Deagle. Incroyable. Oui, donc ils avaient promis. Ouais, donc là, il y a une caisse. Donc Summer Crate. Donc c'est ce qu'on va ouvrir dans la vidéo unboxing. Voilà, donc voilà. On va pouvoir avoir tout ça. Et ensuite, Mini Case. Bon, là, il n'y a rien, en fait. C'est des normales, de base. Et après, juste après, là. Par contre, là, il n'y en a pas des nouvelles. Je crois que si. Je crois qu'il y a des nouvelles. On s'en fout. Et là, en fait, là, vous avez plusieurs character case de crate, en fait. Pourquoi? Car en fait, chacune des caisses... Au début, j'ai cru que c'était un bug, mais non, en fait. En fait, chacune des caisses a une série de skins différents. Donc, si vous voulez, imaginons dans la caisse 4, il y a un skin qui m'intéresse. Je sais pas, genre, c'est le clown. En plus, je l'ai pas, le clown, donc j'aimerais l'avoir. Et ben, en fait, je vais plutôt aller acheter la caisse 4. Parce que dans la caisse 4, bah, y a le clown et ça m'intéresse. Donc j'aurais plus de chances d'avoir le clown que dans une caisse normale, quoi. Vous voyez un peu le délire? Donc voilà. Après, il n'y a pas eu de bundle classique. Donc voilà. Donc après, là, les caractères crate, il y en a 11. Donc c'est bon. Hein, je pense que voilà. Ils ne sont pas foutus de nous, Rolf. Donc voilà. Donc là, Summer Crate, voilà, j'ai hâte d'ouvrir, hein, parce qu'il y a des petits skins et tout dedans, voilà. Ensuite, dans Settings, donc là, on a vu, hein, si vous n'avez pas regardé la vidéo, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à la mise à jour été, n'hésitez pas à aller regarder, c'est dans le petit i, là. Donc voilà, donc Display Général, donc là, c'est les sous-titres, là, c'est le View Model, donc qui est au-dessus de... donc c'est là, c'est quand on voit notre personnage au-dessus de notre barre de vie. Donc là, tu désactives ou actives le chat. Ça, c'est l'FOV. Voilà, bon, moi, je l'ai mis à... J'ai mis à 95, moi. Voilà. Là, ça, c'est le crosshair. Donc, en fait, ouais, en fait, ça change pas du tout le crosshair. Tu peux pas personnaliser, en fait. Ça change, en fait, la décoration. Après, on peut changer le background. Bon, voilà. Voilà. Voilà, donc, en fait, ça change juste la couleur. Tu vois, si je fais ça... On voit que ça a changé le crosshair là sur l'image, sur le preview. Voilà, moi je la laisse en vert. Display username, donc là c'est le paramètre sur les pseudos. Donc display names, je sais pas quoi, voilà, moi, je laisse comme ça. Ensuite graphisme, donc performance, donc là le kill effect, ok, ragdolls, je sais pas c'est quoi. Shadows, donc c'est les ombres, les skins basiques. Ah oui, Ragdoll, c'est sans casquette, je sais pas quoi, sans cheveux. Je crois que c'est ça.
Graphics Advanced. Donc, ouais. Particules physiques. Ouais, voilà. Donc, je vais l'activer ou l'enlever. Et Viewport Caractère, je sais pas c'est quoi. Je vais mettre On. Je sais pas du tout ce que c'est. Audio général, donc là il y a les annonceurs, là il y a le caractère vocal. Ouais, donc c'est quand ton personnage reçoit un dégât. Voilà, c'est quand ton personnage reçoit un dégât. Et ensuite tu peux mute la copyright musique. Donc oui, je vais faire ça pour pas avoir des problèmes avec YouTube. Et ensuite input, ouais, c'est un peu bizarre en français. Donc là, t'as l'auto-reload, donc le rechargement automatique. En plus, ça t'explique carrément. Ils ont fait des phrases pour expliquer. Et ensuite, ça c'est des vibrations. C'est quand t'as un gamepad, une manette, quoi. Et ensuite, là, t'as un exit and save en bas. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de couleur qui a été ajoutée du menu. Donc, moi, je laisse comme ça. En noir, j'aime bien. Les badges, ça n'a rien changé. Les codes aussi. Il y a juste là, c'est extra. Et en fait, les extras, tu peux tout de suite aller au slaughter avec ça, directement, en cliquant là. Et là, tu as tout de suite le 1v1 et le ranked. Donc là, tu as la ranked, là, ici. Bon, voilà. Bon, là, tout de suite, on va juste faire quelques petites parties en casu, comme ça. Normal. Et ensuite, on va faire quelques petites ranked. Voilà. On va faire une moitié de vidéo, comme ça. Ou sinon, je vous ferai carrément une vidéo avec que de la Elo ranked, si vous voulez. Je vous ferai ça. Donc là, imagine, là, je veux pas cette arme. Bah là, je suis en random. Imaginez, je suis en random. J'en veux pas de cette arme-là. Bah, j'appuie sur E. Et en fait, ça me fait changer tout de suite d'arme aléatoirement. Enfin, ça me choisit une arme aléatoirement. Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Ok, elle a été rework cette arme là. Oh là là. Oh merde. Ok. Ok, donc là je suis United States, donc c'est un serveur plutôt bien pour la France, je pense. Bah pour moi là, en tout cas moi je lag pas trop. 130, ça va encore pour un serveur. Si ça commence à aller dans les 150, ça va être horrible. Mais là encore, c'est jouable. Hein. Bon, il a... Voilà. Ok, donc le nail gun, ils ont changé le bruit aussi. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Attends, je vais augmenter le son. Voilà. De 3, de 4. Voilà. We hit trending! No! Mother. Incroyable. Boom, bonjour. Boom, headshot. Boom, headshot. Now that is advertiser friendly. Wow, can we get a smash on that subscribe button? Pour mettre là, partout, par terre. Yes, je m'en suis mis. Ah! Ah, il est bizarre maintenant la cadence de tir du Falcor maintenant. Ah, d'accord, c'est ça. Mais en fait, c'est un nerf en fait. Ça a été nerf de ouf le Falcor. Faut voir avec le. D'accord. The fuck. Par contre, le break battle musclé, c'est n'importe quoi. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Ouais. Ah oui, ouais, ils ont enlevé le viseur, les petits viseurs là, en fait. Pascal H. Ok. C'est le petit viseur au bout là. Voilà. En fait, ils l'ont enlevé.
Mais en fait, vous voyez, en fait, la SCAR, elle, c'était l'autre arme, là, c'est l'arme qu'on a eue, là. Mais sans la lunette, en fait, c'est ça. Yes. Oh là là. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Legacy compétitive. Ah oui, donc ça c'est le compétitif qu'on connaît en fait. Voilà. Donc là, on va dans le compétitif. C'est parti. Donc là, il faut cliquer dessus. Et là, ça envoie. Donc là, il faut savoir, c'est une version bêta. Donc c'est pour ça, c'est moche comme ça. Voilà. Mais bon, ça fonctionne parfaitement. J'ai fait plein de games. C'est trop bien. Après, là, t'as un petit bouton pour retourner sur Arsenal. Voilà. Et après, là, t'as un bugus, là, je sais pas quoi. Et en fait, là, on peut faire qu'un 1v1 de match. Donc là, on a mon elo. Donc j'ai 472. Et là... En fait, on peut faire qu'un 1v1. Et plus tard, on pourra faire un 6v6. Et oui. Bon, pour l'instant, voilà, c'est que 1v1, malheureusement. Donc, voilà. Donc, moi, je suis là. Dans le serveur, je pense. Voilà. Donc là, j'appuie sur Find, machin. Il accepte. C'est comme une invitation. Il accepte. Soit je quitte, soit je fais Ready Opt. Voilà. Je vois le gain, son gain, je crois, de win ou je sais pas quoi. Son elo. Ah non, ça c'est mon gain, ça. Je crois que c'est ça, moi. Ça, c'est aujourd'hui, je crois. Le nombre de défaites que j'ai fait ou je sais pas quoi. Pourtant, j'en ai perdu aucune. C'est ça. Voilà, donc là, ouais, bon, le vote, il sert à rien. Voilà, on arrive ici. Et hop là, on est ici. Donc vous allez voir comment ça se fait. Donc là, vous voyez, là, Dust Storm, ça a beaucoup changé déjà, là. Voilà, donc là, il y a déjà deux palmiers, là, ici. Et là, il y a un gros bloc. Ah bah yes, ça commence bien. Donc là, il y a un gros bloc, ici. Donc avant, il y avait un gros mur, là, en bois. Et là, maintenant, c'est ce côté-là. Là, il va falloir faire attention. Ici, il n'y a plus de bloc, ici. Il n'y a plus d'un bloc là, ici, là aussi. Il y en avait là, je crois. D'accord, il est vraiment nul. Il est nul. Ensuite, voilà, là, ça a changé encore. Là, ça a changé, c'est les petites caisses. Et surtout derrière. Voilà. Ça a changé un peu. Donc avant l'échelle, il y en avait une là. Mais maintenant, elle est là. L'échelle. Voilà. Donc vous voyez, donc là, en dessous... du truc qui montre la prochaine arme, ça, il y a une sorte de jauge, et en fait c'est le nombre de kills que je dois faire avec l'arme en fait que j'ai dans la main, donc pour passer à la prochaine. Voilà. Et chaque kill met 2 points, donne 2 points en fait. C'est pour ça que je suis à 14 déjà. Là, on est dans un mode de jeu, il faut bien écouter. T'entends les pas en fait. T'entends les pas des autres. Des fois, j'étais là et là, j'entendais pas et là, j'ai su qu'il allait venir là. Quoi. Donc là aussi ça a changé. Là il y a carrément un trou. Et là tu peux venir là, carrément. Donc là c'est une autre façon de sortir. Là il n'y a plus de blocs, donc là il va falloir faire attention. Voilà. Et après sinon il n'y a rien qui a changé hein, par rapport à The Storm. Voilà. Et boum.
Donc après, si le mec, si l'ennemi, il quitte, et que j'ai plus de points que lui, bah c'est moi qui gagne, logique. Voilà. Hacker. No. Tiens, en parlant d'hacker, bah je vais vous montrer. Si vous appuyez sur 0, vous avez le vote kick. Et oui, donc là, voilà. Donc là, vous sélectionnez le joueur et ensuite exploiting et après vote kick. Voilà. Et après, bah, s'il y a plus de votes de oui que de non, bah voilà. Bah le mec il est kick quoi. C'est vrai que le colibri il a été refait. Ah, il est super stylé maintenant. Plus réaliste. Et boum. Ça aussi, ça a changé de bruit. Tous les pistolets à laser, comme le hand cannon et tout, ça a changé de bruit. D'accord. Là, je tire comme une merde. Et attention, ça va être la fin de la partie. Et après, ça m'envoie tout de suite au lobby de la rancade. Et voilà. Et après, voilà, ça m'emmène ici. Et après, bah, je recherche quelqu'un. Il est au 400. Voilà, toute l'information de l'ennemi, en fait, il est là. Donc voilà, return to Arsenal. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et à me suivre sur Twitch car je vais pas tarder à reprendre les streams. Dès la rentrée septembre 2021 environ, je reprendrai les streams. Voilà. Donc, suivez-moi sur Twitch, c'est Superbug TV. De toute façon, c'est dans la description le Twitch. Et puis voilà. Bon voilà, c'était Superbug88 et je vous dis ciao.